d'Angleterre, Rob Andrew. Eh oui, Rob Andrew qui a donné un coup de pied en diagonale dans l'embut français. Pour l'équipe d'Angleterre qui ouvre le score de la première minute ici à Twickenham grâce à cette pénalité réussie. Complètement en coin. Très difficile cette tentative. Allez, à côté. À côté, voilà un échec réconfortant pour les buteurs. Ça prouve bien que... Oh, la belle contre-attaque. Oh, oui, bien joué, c'est là. C'est là tout seul, isolé un peu, il trouve du soutien. Didier le mouvement Camero peut continuer pour les Français. Campé qui tape à suivre pour lui-même. Ils arrivent dans les 22 mètres de l'équipe d'Angleterre. C'est un essai, ça. C'est André, et c'est entre les poteaux. Magnifique. Et la France qui prend l'avantage au score. Après 11 minutes de jeu ici à Twickenham. France 4, Angleterre 3. Et que de dextérité dans ce jeu. Voici Lafond qui décale, c'est là. C'est là, va faire un crochet antérieur, va revenir chercher quelques appuis. Voilà, Stella qui croise ici avec Didier Camberamero en position de débordement. Il va jouer un coup de pied de récupération pour lui. Fallait-il le récupérer? Et il le fait. Coup de pied de déplacement au centre du terrain. Et on le voit arriver ici, Saint-André, dont le rebond du ballon sera favorable. Et l'essai de Saint-André vient d'être transformé par Didier Camberamero. Ce qui fait que ici à Twickenham maintenant, après 12 minutes de jeu, la France mène devant l'Angleterre par 6. À 3, messieurs les Anglais ont tiré les premiers, mais les Français ont renversé déjà la situation. Ah, puis alors on parle de... À moins qu'ils jouent en force. Maul des avant-anglais, qui joue à cache-ballon. Avec Doulet. Ah, ils savent le faire, ça, les avant-anglais. C'est leur point fort, mais l'ouverte. La balle qui sort pour Hill, dans l'axe, Andrew pour le drop. Et la balle qui passe. Oui, les 15 Anglais ont joué une pénalité pour leurs avants. Ils ont créé un regroupement. Hodgkinson. Cette fois, ça passe. Et voilà l'Angleterre. Et déjà... Qui reprend l'avantage au score, 9 à 6, voilà. Oui, déjà 3 pénalités de ce diable. Oh, et il le fait bien. Que c'est bon, et il le fait bien. Égalité, c'est le jour de Cambé. À la ligne de touche, Hill à l'introduction. La poussée est stagnante. Hill plaqué, a échappé au plaquage de Berbizier. Dans les 22 mètres de l'équipe de France. Ce maul. Hill élargi pour Carling. La balle maintenant pour Hodgkinson qui peut donner Underwood en position de débordement. Ah, il est pris. Essai de Underwood. Ah, il est pris, Jean-Baptiste. Essai de Underwood. La fusée anglaise, le meilleur marquage de Jean-Baptiste Lafond. On va revoir cette phase de jeu avec Andrew. Andrew et Hodgkinson qui étaient intercalés. Décalant, même pas homme à homme, Underwood a manœuvré Jean-Baptiste Lafond avec le rafut CTD. Ah, quand il met le turbo au démarrage, Underwood. Ah, c'est bien fait de la part d'Underwood. C'est un essai de grand ailier. Il fixe, il déborde, il cède du raffut. On revoit la phase de jeu ici. Avec Andrew Hodgkinson qui était intercalé. Regardez, il a fixé, il a débordé, il a raffuté. Toute la gamme du grand ailier. Et la vitesse en plus. Bien concentré. Hodgkinson. Dans ses heures. Et bien voilà. Et il efface des tablettes. Jean-Patrick Escarboura, le bonifieur. Simon Hodgkinson ajoute 3 points de plus au capital de l'équipe d'Angleterre. Nous allons jouer à 2 les remises en jeu ce soir. On essaie tout, on varie, bien fait. Et on retrouve Didier Camberamero, Menel, Blond, Stella qui va créer le maul. Oui, on enchaîne bien. Marocco à l'intérieur pour Cécilio. Oh, il se part. Regroupement et libération de la balle pour... Didier Camberamero qui joue très haut. Nous sommes dans l'embut anglais. Serge Blocourt, essai. Essai de Didier Camberamero. Eh bien, ça ne pouvait pas mieux tomber. D'abord, la rentrée de Marc Cessillon pour donner du tonus au pack français. Et cet essai de Didier Camberamero qui redonne l'espoir aux 15 de France. Cessillon qui est intervenu à cette phase de jeu. On vient de voir l'essai de
Didier Camberra-Béro, alors qu'un Anglais a hésité à toucher dans ce but. Revoyant cette phase de jeu, la balle vient dans la but. Didier a bien suivi. Et il a devancé. Déjà trois pénalités et une transformation réussie par l'arrière anglais depuis le début du match. Et oui, il veut les mettre à l'abri alors que la pluie justement commence à tomber ou recommence à tomber sur Twickenham. C'est aussi une pluie de pénalités. Donc il sonne, il semble qu'elle y soit. Et ben voilà. Et ben voilà. On vite joué. Ballon pour Blanc. Blanc pour Camberra-Béro. Mais elle est ouverte. Saint-André. Ils essaient de mettre le feu, les Français. On appelle les pompiers côté anglais, ça continue. Avec Stella. Stella et Didier Camberra-Béro. À l'intérieur, sur Blanco. Blanco, Blanco, Stella. Ménel. De Franck Ménel. Et c'est en quoi de Franck Ménel pour le feu d'artifice des dernières minutes. Applaudi par tout le public. Voilà la balle de récupération ici avec Berbizier, Stella. Stella pour Saint-André qui remet à l'intérieur à Blanco. Blanco, Ménel. Ménel, crochet, fixe, déborde et va marquer un coin malgré le retour de Hill et d'Underwood. Oh, le bel essai, la belle transformation, on le revoit sous un autre angle. Avec Stella qui s'infiltre bien, Didier Camberra-Béro qui donne l'impulsion, la présence de Blanco. Ménel, crochet intérieur ici qui déborde. Et c'est Angleterre 21, France 19. Quelle fin de match! Allez, Berbizier, Didier Camberra-Béro, du côté extérieur, oui! Oui, bien vu! Blanc! Bien joué, Saint-André! Regroupement à l'avantage des Français! Faut sortir cette balle! On va la sortir rapidement! Laissez-la vivre! Ah, l'arbitre va faire refaire ce monde, il va nous laisser l'avantage de l'introduction ici, la fin du match! Et c'est fini! L'équipe d'Angleterre, pour la première fois depuis 1980! Gagne le tournoi de sa nation, la Calcutta Cup, la triple couronne et le grand chelem. Et c'est la première fois depuis 1965